Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Pourquoi j'ai des points noirs sur le visage? Plusieurs causes, autant distinctes les unes des autres, peuvent favoriser l'apparition de points noirs. Seront particulièrement touchées les peaux mixtes et grasses, mais pas seulement. Tout d'abord, les bouleversements hormonaux. Lorsqu'ils ont lieu, adolescence, ménopause, la sécrétion de sébum par les glandes sébacées battra alors son plein et les pores s'obstrueront de manière intense et rapide. Cependant, d'autres causes peuvent en être responsables, comme le stress ou une mauvaise hygiène de vie. Ainsi, manger gras, mal dormir ou fumer sont autant de facteurs favorisant l'apparition des comédons. L'exposition au soleil est également une cause connue, la couche superficielle de la peau s'épaississant lors de l'exposition, le sébum s'y accumule, et se transforme en comédon lorsque la peau redevient normale. Voilà une recette de masque naturel pour vous débarrasser de ces points noirs. Un masque naturel efficace. Il nous faut un blanc d'œuf, une cuillère à café de jus de citron frais. Bien mélanger le blanc d'œuf afin d'obtenir une texture homogène. Puis ajouter le jus de citron. Bien mélanger le tout. Bien laver votre peau avec l'eau tiède et un savon naturel. Afin d'enlever toutes les impuretés, utilisez un pinceau de maquillage et appliquez le masque sur le visage en évitant la zone des yeux. Bien appliquer sur la zone touchée par les points noirs, surtout du côté du nez. Reposez environ 30 minutes. Après le temps de pause, enlevez le masque puis rincez à l'eau tiède. Bien hydrater votre visage avec une crème hydratante. Il est conseillé d'utiliser ce masque une fois par semaine pour avoir des résultats sur le long terme. Le blanc d'œuf retarde l'apparition des points noirs en raison des protéines qu'il contient. Le citron très riche en vitamine C réduit la taille des pores dilatés et est un très puissant antioxydant pour une peau très lisse. Pour éviter l'apparition de points noirs, veuillez surveiller votre alimentation et limiter la consommation d'aliments trop sucrés ou trop riches en gras. Le démaquillage quotidien avec un produit doux est recommandé pour éviter leur accumulation. Le masque naturel ne doit pas s'utiliser plus d'une fois par semaine car il risque d'agresser la peau. Il est important de ne pas s'exposer au soleil après avoir appliqué ce masque car le citron est photosensible. Vous avez testé ce masque naturel? Dites-nous en commentaire si ça a été efficace pour vous. On a hâte de vous lire. Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager pour aider. À bientôt et à la prochaine vidéo.